spotkania warszawskie. Witam Państwa, Marcin Piasecki, a w naszym studiu kolejny gość, pan Olivier Durix z firmy Bouygues, dyrektor generalny na obszar Europy Centralnej. Dzień dobry, panie dyrektorze. Bonjour. Panie dyrektorze, podczas spotkań warszawskich rozmawiamy o robotach, nowych technologiach. No właśnie, jak te problemy mają się do sektora budownictwa? Je pense que le secteur de la construction, dans le ranking des industries, est le dernier, malheureusement, parmi les industries les moins robotisées et les moins touchées aujourd'hui par le numérique. Néanmoins, c'est quelque chose qui existe et qui va arriver et inonder nos marchés et devons nous y préparer. Et je crois qu'on peut faire beaucoup de gains de productivité grâce à ça, en particulier en ce moment, où nous avons des soucis de main-d'œuvre sur nos chantiers. Je pense qu'on peut évidemment sous-traiter certaines opérations pour pouvoir réaffecter cette main-d'œuvre à de meilleures tâches. Outsourcing technologiczny. Panie dyrektorze, no ale to jest tak, że dosyć ciężko to sobie wytłumaczyć, bo budowa to są ludzie, to są dźwigi, to są operatorzy, to są ciężarówki, to są koparki i tak dalej, i tak dalej. Co pana zdaniem może zostać zastąpione przez roboty, sztuczną inteligencję, w ogóle przez nowe technologie? D'abord, là, on est concentré sur la construction et sur la construction, il existe déjà des techniques qui permettent, grâce à des robots, de construire des maisons. Mais je pense que le numérique, c'est plus que la construction. Et aujourd'hui, on crée des villes intelligentes, des appartements intelligents qui permettent d'être en interaction avec les habitants. Et je crois que c'est là qu'on va avoir le plus d'utilité du numérique ou de l'intelligence artificielle. C'est de la façon dont nous allons vivre dans nos logements et dans nos quartiers grâce au numérique. Wspomniał pan o braku rąk do pracy. Ten problem, jak sądzę, jest również widoczny w Polsce. Jak zamierzacie, jak chcecie go przezwyciężyć? Je ne sais pas si moi j'ai la capacité de le vaincre. En tout cas, je pense que la technologie doit nous permettre de sous-traiter une partie de l'activité à des tâches qui sont très répétitives par des robots, pourquoi pas, et même qui peuvent être amener plus de sécurité pour les collaborateurs et certainement affecter cette main-d'œuvre à des tâches qui sont plus valorisées, plus valorisantes, moins fatigantes. Et je pense que c'est comme ça, petit à petit, qu'on arrivera à vaincre ce phénomène aujourd'hui de manque de main-d'œuvre, en particulier dans la construction. Panie dyrektorze, pana firma Bouygues jest bardzo mocno obecna w Polsce, aczkolwiek, jeżeli się mylę, to proszę mnie sprostować, zauważyłem pewien rodzaj przesunięcia w stronę sektora komercyjnego. Jeszcze niedawno wydaje mi się, że byliście bardzo mocno osadzeni w mieszkaniówce, teraz chyba ten sektor komercyjny. Czy to jest obserwacja prawdziwa? Alors je vais vous corriger un tout petit peu. Aujourd'hui, on est concentré sur le résidentiel et on reste dans ce marché du résidentiel. On est très présent sur Varsovie. Par contre, on va aller se développer sur des villes comme Wrocław, Poznań et Cracovie. Mais on reste très concentré sur notre marché primaire qui est le résidentiel. Jak pan ocenia kondycję rynku mieszkaniowego w Polsce? Je pense qu'on est dans un marché très particulier qui est très actif et qui est très favorable aux acheteurs. Je pense que la demande, parce que les conditions économiques du pays sont très favorables, va rester très très forte. Malheureusement, je pense que la production va diminuer un petit peu. Elle va diminuer par le fait que la masse de terrain disponible diminue, mais aussi parce que la capacité de création, de construction liée à la main-d'œuvre, on en a parlé, est un peu moindre. Et donc peut-être que les prix vont certainement un peu augmenter pour nos clients. A proszę mi powiedzieć, wspomniał pan, że sytuacja jest bardzo korzystna dla kupujących. No, z jednej strony nigdy nie budowano, deweloperzy nie budowali w Polsce tak dużo mieszkań, no, z drugiej strony popyt jest bardzo wysoki, w związku z tym rosną ceny. Czy to jest rzeczywiście tak dobra sytuacja dla kupujących?
Oui, je pense que le marché croît et que les promoteurs apportent une offre qui répond à une demande et qu'on a encore devant nous plusieurs années avant de combler cette demande. Donc manifestement, avec des taux d'intérêt qui sont bas, des perspectives économiques pour les acheteurs et aussi des salaires qui augmentent, définitivement le marché est favorable. Ale czy to nie jest, bo to też są takie podejrzenia, pojawiają się podejrzenia, czy też prognozy, że mamy do czynienia z pewną górką, no, żeby nie powiedzieć bańką, jeżeli chodzi o rynek mieszkaniowy w Polsce i że ten rozpęd, ta dobra koniunktura już niedługo się zatrzyma. Czy pan podziela tego rodzaju opinię? Bon, moi je pense qu'elle va probablement peut-être arriver à un pic qu'on a déjà atteint. Je ne crois pas du tout que nous soyons dans une bulle, nous ne sommes pas du tout dans ces conditions-là, parce que les prix se sont tenus sur ces 3-4 dernières années, il n'y a pas eu d'inflation des prix de vente, et je pense que tant que la capacité d'emprunt de nos clients ne dépasse pas les prix de vente, on est dans une situation qui est très très saine sur le marché de l'immobilier résidentiel en Pologne. A proszę mi powiedzieć, dlaczego zdecydowaliście się oprócz Warszawy tak mocno postawić na inne miasta w Polsce? Bon, parce que je pense qu'on a atteint une maturité de production sur Varsovie qui nous permettait pas de faire beaucoup beaucoup plus et donc l'expansion va forcément par l'exploration de nouvelles villes et je vois que la structure de Bouygues Immobilier et l'innovation qu'on peut apporter à nos clients est bien ressentie à Varsovie et elle peut être déployée dans ces autres villes comme Wrocław puisqu'on a déjà une activité sur Wrocław et Poznań en particulier. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Olivier Durix z firmy Bouygues Immobilier.